Solidaire d'abord. Et alors, il y a tellement de sujets aujourd'hui. Moi, je suis un peu à out là parce que je ne sais pas plus par quel bout prendre tout ça. Mais enfin, la première chose dont on va parler, c'est de la réindustrialisation. Macron, Ruffin, tout ça, c'est à toi. Macron est allé présenter son plan de réindustrialisation à Dunkerque. Et donc, il a eu une phrase qui nous a un petit peu fait hausser un sourcil et dresser une oreille. Et oui, il a dit « Si la France s'est désindustrialisée par rapport aux voisins, c'est parce que nous travaillons moins dans le cycle de vie. » Voilà. C'est notre faute. Et c'est vraiment la stratégie qu'on retrouve à chaque fois, c'est-à-dire de faire porter la responsabilité à l'individu ou au syndicat ou aux lois sociales et de s'exonérer de ses propres responsabilités. Et de ses propres méfaits, parce que quand l'ambiance tombe, c'est ses propres méfaits. Et oui, parce qu'on parle quand même de celui qui a vendu de nombreuses entreprises qui étaient le fleuron de la France. On va peut-être les citer, non, un petit peu. Oui, Alcatel notamment. Les 3A, Alcatel. Alcatel, Alstom, Arcelor. Ouais. Voilà. Il y avait aussi Péchiné, Lafarge, oui. Technip. Enfin bon, il y en a eu. Ça, c'est surtout Macron. Oui. Toutes celles-là. Oui. Alors qu'il y en a eu plein d'autres aussi avant, parce que ça a commencé depuis longtemps, cette histoire de désindustrialisation. Et oui. Et donc, c'est quand même assez ironique de venir dire maintenant que c'est de la faute des salariés. Voilà. Donc, Ruffin parle entre autres de Usinor. Du textile, qui est dans la région d'Amiens, c'était une vraie catastrophe. Mais après, il cite plein de petites entreprises, donc peut-être pour les plus jeunes, ça ne leur parlera pas, mais Flodor, Abelia, Honeywell, Goodyear, Whirlpool, toutes ces entreprises qui ont fermé. Et par rapport à quoi les économistes nous expliquaient que c'était presque rien, c'était négligeable. Et oui, et tout ça, c'est parce que les dirigeants actuels ont misé sur les services, tout misé sur les services. Ça a été un choix des années 75-85, c'est-à-dire c'est sous Giscard que ça a commencé comme ça, et ils ont continué quand la gauche, soi-disant la gauche, est arrivée au pouvoir en 81. Voilà, et aujourd'hui, il faut réindustrialiser. Oui, c'est comme ça qu'on se retrouve, ça me dit mais quand même. Pénurie de médicaments, 3000 médicaments qui sont en tension. Et c'est une galère pour les épilepsies en ce moment, les épileptiques, ils ne trouvent plus de médicaments pour se soigner. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu un mec qui s'appelait Gary Becker. Alors je crois que tu as la situation complète de Gary Becker en 1993, qui expliquait que le droit du travail et tout ce qui était pour protéger l'environnement, donc le social, l'environnement, tout ça, c'était excessif. Et ça faisait que dans les pays développés, on était moins concurrentiel que dans les pays sous-développés. Hein ? Voilà. Et c'est pour ça que Macron nous dit qu'il faut faire sauter les cadres. Cadres environnementaux et cadres sociaux. Alors, ce qui explique sa journée d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ils avaient une grande journée, une grande fête à la Macron, hein, Choose Friends. Ils ont reçu à Versailles plein de grosses entreprises. 200 personnes étaient invitées, un peu plus de 206 personnes étaient invitées. Et t'as les journalistes, donc pas nous, hein, parce que on rentre pas tout à fait dans la même case, les journalistes sur les chaînes mainstream qui expliquent que comme on a baissé la fiscalité, hein, sur les entreprises, etc., comme on a
tout doucement quand même changer le droit du travail. En gros, il nous explique comment on a démantelé le droit du travail, hein, voilà. Et ben en fait, et que on a plein d'infrastructures qui marchent très bien en France, hein, les routes, les lignes électriques, enfin plein de choses, etc. Et ben ça fait que maintenant on est un pays super compétitif. Voilà. Et donc il faut que ce soit les étrangers qui viennent investir chez nous. Comme ça, ils vont continuer à dépecer en fait le pays, quoi. Et oui, mais pourtant, il y a d'autres solutions. Hein. On peut très bien imaginer que la France décide de réindustrialiser un secteur et mette des contrôles aux frontières et qu'on sorte un tout petit peu du libre-échange de façon à protéger nos propres entreprises. Et ça, ce sont des idées qui ne prennent pas du tout. Ben, c'est-à-dire que déjà, rien que la façon dont les journalistes présentent la chose, si tu veux, tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire la baisse de la fiscalité, etc., ils expliquent que ça nous avantage. Ça nous avantage. Mais qui c'est nous ? Est-ce que c'est nous, gens du peuple, que ça avantage ? Ou est-ce que c'est juste les quelques élites qui ont beaucoup, beaucoup d'argent ? Tu vois, il y a une confusion complètement tout le temps dans la façon de présenter les choses. Voilà. Ils sont complètement macronistes, hein, en train d'expliquer que voilà, il faut être hyper libéral et qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Oui, c'est la mondialisation, hein. C'est triste, mais bon. Voilà. Alors en fait, il y a vraiment d'autres façons de voir les choses, comme tu le disais à l'instant, Amélie. Hein. Pourquoi nous, on ne pourrait pas réindustrialiser les choses ? Ben oui, on gagnerait en autonomie, on se réautonomiserait sur les secteurs qu'on déciderait, dont on déciderait qu'ils sont essentiels ou même utiles. Et ça nous permettrait d'éviter ce dumping permanent. Parce que c'est invraisemblable. Ils nous expliquent qu'ils nous font un grand cocorico sur la création de... Pour les panneaux photovoltaïques, là, tu sais, oui, il y a 1700 emplois créés, oui. Etc. Mais à un moment, moi, je me souviens, en 2008-2009, puisque moi, j'ai foutu des panneaux solaires sur ma maison, donc je m'étais vachement renseigné à l'époque, il y avait plein de petites entreprises en France qui faisaient des panneaux solaires, l'État ne les a pas aidés. C'était sous Sarko, l'État les a pas aidés. Après, sous Hollande, ils les ont pas aidés non plus. Sous Macron, ils nous ont expliqué qu'ils étaient pour les énergies renouvelables. Ils ont absolument développé aucun crédit. Donc, si on en est là au fait que actuellement on achète pratiquement tous les panneaux photovoltaïques en Chine, c'est à cause d'eux, parce que on avait des entreprises, des gens qui piaffaient, qui étaient prêts à faire l'effort, etc. Ils n'ont pas voulu. On peut pas s'aligner sur des prix sur les prix de pays comme la Chine, où il n'y a pas de normes sociales ni environnementales, ou en tout cas pas les mêmes que chez nous. Voilà. Donc à un moment donné, si on n'accepte pas l'idée de mettre un contrôle aux frontières, on n'y arrivera jamais. Il y a ça, il y a le financement, il y a le contrôle aux frontières. Entre autres, Ruffin en parle, hein, évidemment. Il dit bien que cette libéralisation à tout craint, comme ils ont fait, amène c'est le fait que notre industrie est complètement dans la panade, quoi. Mais c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a été un choix qui a été fait dans les années 75-85. Nous sommes une société de services et nous ne sommes pas une société industrielle. Et de tourisme. Voilà, et de tourisme. Basé sur le tourisme, voilà, ça a des limites. Oui. Et on risque de toucher ces limites cet été avec le manque d'eau. Tout à fait. Alors, tout ça, il y a quelque chose qui montre très très bien à quel point cette façon de voir le côté néolibéral a complètement foiré. C'est EDF, entre autres, où on se retrouve avec des prix de l'électricité complètement fous. Hein, et en fait, là, on se rend compte que Ruffin, entre autres, dénonce ça, mais il n'y a pas que Ruffin, parce qu'on cite peut-être un peu beaucoup Ruffin ici, mais il y a plein d'autres personnes aussi qui nous semblent correctes sur les leçons qu'on peut tirer de cette façon dont l'industrie se passe en France, l'industrialisation se passe. Et donc, il y a EDF et des syndicalistes d'EDF et d'Enedis qui expliquent qu'on a donné entre 24 et 40 milliards à ces sociétés alternatives qui vendent l'électricité. Qui vendent et qui ne produisent rien et qui ne transportent rien. En fait, elles ne font que mettre leur tampon sur la facture, c'est tout. Ouais. Elles achètent sur les marchés de gros, elles revendent aux particuliers ou aux entreprises
Mais elles ne produisent rien, en fait. Oui, et normalement, en 2025, l'AREM, ça s'arrête. Du coup, ben, le gouvernement a commencé à préparer le terrain et il voulait étatiser, racheter les actions aux ouvriers qui détenaient les actions, racheter les actions pour être majoritaire. Il voulait étatiser et justement... Il voulait étatiser et non pas... Nationaliser. Nationaliser. Voilà. Et finalement, ben, il y a un monsieur Brun, mais pas le nôtre, hein, ouais, enfin le nôtre, pas le mien, Philippe en tout cas. Voilà, Philippe Brun, qui a soulevé le lièvre et qui a fait son boulot de député hein, jusqu'au ouais. bout et qui était en commission et qui a fait bouger les lignes. Entre autres, il y a eu une niche parlementaire communiste d'une journée. Et donc, pendant cette niche parlementaire d'une journée, ils ont réussi à remettre sur le tapis un texte qui avait déjà fait la navette Assemblée nationale-Sénat, qui était revenu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et en gros, alors le mot nationalisation n'apparaît pas dans le texte, mais c'est à peu près kiff-kiff ce qui est en train de se passer. En tout cas... Théoriquement, il n'y aura pas démantèlement d'EDF tel que c'était programmé par la Macronie. Oui. Et les macronistes ne sont pas contents du tout que ça se soit passé ça. Avec le projet Hercule. Voilà. Le projet Hercule qui avait fait tant de débats quand il a été proposé. Voilà. Et comme ils sont mauvais joueurs, quand ça s'est voté, ils sont partis de l'hémicycle du Parlement. Ils ne sont pas allés voter. Il n'y a qu'un qui a voté contre. Tous les autres ont voté pour. Du coup, bah, ils sont tellement... Alors tous ceux qui ont voté pour, c'est tous les autres. Tous les autres, voilà. Hein, il y a pas ces partis politiques tout confondus. Ouais. Ils ont fait l'unanimité contre eux. Mais là, c'est une question qui est transpartisane. Je veux dire, l'énergie... on avait un service public qui fonctionnait très bien, avec des prix corrects, qui était basé sur les coûts de production. Et avec la libéralisation de ce service, on se retrouve à payer des prix fous. Tu sais que quand même, aujourd'hui, dans la journée « Choose Friends », ce qu'ils ont mis en avant, c'est qu'on avait une entreprise de l'énergie qui fonctionnait super bien chez nous, c'était EDF. Ben voilà. Ils ont quand même un culot d'acier, quoi. Ouais, ouais. Il faut pas oublier quand même que les centrales, il y a les centrales nucléaires qui sont en grève encore. Ouais. Il faut pas compter sur les médias pour en parler, mais les centrales nucléaires, encore, il y en a qui sont en grève. Ouais. Alors, ça s'est voté quand même avec 127 députés qui ont voté pour, 89 qui ont voté contre, et il y a eu une abstention, etc. Et donc, il y a encore des choses qui doivent se rediscuter au Sénat, etc. Mais, en tout cas, l'essentiel du texte du fait que le démantèlement s'arrête est acté. Oui, parce que le projet, c'était de découper l'entreprise en tranches pour la vendre... Oui, mais en fait, c'est pas gagné, faut se méfier. Il faut être vigilant. C'est une bonne nouvelle quand même. Oui, mais il faut être assez vigilant parce qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac. Disais, Denis, tu vas peut-être me repréciser ça. Hercule n'existe plus, mais ils sont capables de trouver. Voilà, c'est. Ouais, on peut. Jupiter. On peut l'appeler. Enfin, il est déjà pris. C'est Jupiter. Déjà pris Jupiter. En tout cas, voilà, on peut changer de nom. On l'appelle Astéroïde. C'est le même. Voilà. Enfin, non, mais réjouissons-nous quand il y a des bonnes nouvelles. Il faut les prendre. Voilà. Oui, il faut rester vigilant. Bonne nouvelle, alors, une super bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que Ruffin en rajoute aussi un petit peu. On est allé voir aussi une vidéo où il parle de ça, sur Attal. Attal qui nous explique que, on va attraper les fraudeurs. Oui, hein. Oui. Attraper, on va les attraper, ces fraudeurs. Bah, chiche. Chiche. Vas-y, Attal, prends ton carnet de... Ton carnet d'adresse, hein, et puis tu les prends tous les uns après les autres, tu coches, et tu vas les chercher, parce que c'est tous des fraudeurs financiers. Il voulait les interdire de vote. Il a dit qu'ils seraient rayés, ils ne pourraient pas voter, pas se présenter aux élections. Ouais. Donc, on le prend au mot, il n'y a pas de souci. Oui, il faut le prendre au mot. Ouais. Et on peut lui fournir les noms s'il veut. Oui, ouais, on peut l'aider. On peut l'aider. S'il manque de temps, on peut l'aider. Voilà, on pourra faire ça, même avec notre retraite mal payée, on pourra le faire ça s'il veut. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que Attal en train d'expliquer qu'il va choper les fraudeurs, ça laisse quand même sacrément pantois. Hein. Surtout que pour les choper, il faudrait même qu'il y ait des personnes qui soient là. Parce que quand même, il a fait un site, Attal, qui s'appelle « En avoir pour mes impôts ». Il faut quand même expliquer ça. Alors, « En avoir pour mes impôts », c'est un site qui a été décodé par un gars de Frustration Magazine. Frustration Magazine, c'est le magazine dont la tête pensante, c'est Nicolas Framont. C'est celui qui a écrit le bouquin « Parasite » dont on vous a déjà parlé. Et dans ce magazine, Frustration, il y a aussi un autre journaliste qui s'appelle Guillaume Etiévant.
et qui, lui, est allé voir ce site En avoir pour mes impôts. Tu avais regardé ça, toi aussi, Amélie ? J'avais regardé ça, et en fait, il s'avère que... C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, la stratégie, c'est de mettre du flou partout. Oui. C'est-à-dire, on fait comme si les impôts, la TVA, les cotisations sociales, tout ça, c'était la même chose. Et en fait, on ne comprend plus rien. Voilà. On ne comprend plus rien. Et à la sortie, en fait, ils nous expliquent même que les impôts, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr. Donc tu vois, ils vont arrêter les fraudeurs. Mais les impôts, ça ne sert à rien. Oui, oui. Chercher l'erreur. Les fraudeurs, ils ont encore de bons jours devant eux. Voilà. Et donc, voilà. Allez voir. Donc, vous pouvez taper En avoir pour mes impôts pour aller voir sur le site. Il y a un site où vous pouvez aller naviguer, etc. Vous verrez qu'ils vous expliquent, en gros, au fond, que les impôts, ça sert à que dalle. Voilà. Et c'est à des gens comme ça à qui on fait confiance. Attal, c'est quand même celui qui dit ceux qui travaillent et ceux qui en profitent. Hein, exactement comme Macron, c'est à peu près la même rhétorique. Mais est-ce qu'il parle des actionnaires, là, quand il dit ceux qui travaillent et ceux qui en profitent? Peut-être qu'au fond, il parle des actionnaires. Il faut poser la question. C'est une idée manquée, hein, comment, une pensée manquée, je ne sais plus comment on dit. Voilà, un acte manqué, ouais. Les dividendes en 2021 étaient quand même de 69 milliards, en 2022 de 81 milliards. Hein, voilà, il y a des gens qui en profitent. Hein. Ça, c'est sûr. S'il veut savoir où ils sont, on peut les trouver. Hein. Et puis, il parle quand même, Attal, de ceux qui ont le temps d'aller taper sur des casseroles. Non, mais tu te rends compte, oui. Le culot, la saleté, quoi. Quand ceux qui travaillent, ceux-là. Ouais. Alors bon, après on a plein d'autres sujets, on va vous parler de la retraite, de la santé, on va peut-être parler de la santé un peu. Alors la santé, hein, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, hein. Tu nous parlais même d'une visite médicale obligatoire. Oui, ben oui, avant les jeunes qui faisaient du sport en club, là, ils avaient une visite avant de démarrer la saison obligatoire pour voir s'ils étaient en capacité, s'ils n'avaient pas de problème de santé. Le Toubib faisait une visite rapide, mais bon, on écoutait le cœur, la respiration, on faisait une petite visite quand même, les souplesses des membres et tout, pour valider, quoi. C'était bon. Et bien là, maintenant, ce sera supprimé, ce ne sera plus obligatoire. Donc les grands clubs sportifs, évidemment, ils vont les faire, parce qu'ils ont mis des sous sur un joueur, on veut quand même qu'ils soient d'aplomb. Mais tous les petits clubs, que ce soit amateurs et compagnie, qui sont là pour se faire plaisir, ben ils n'ont plus besoin de fournir ce service, ce médical. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est vraiment typiquement la mesure qui ne sert à rien. Et quand on sait que parallèlement à ça, parmi le personnel de l'hôpital public, donc il y a un turnover incroyable. Mmh. Une jeune infirmière qui disait, ça fait 3 mois que je suis là, je suis déjà la plus ancienne. Mmh. Il y a des burn-out, il y a des démissions massives. Et puis au niveau des établissements, il y a des fermetures de maternité, d'hôpitaux psychiatriques, d'urgence, la nuit. Et tout ça, la solution qu'on nous donne, c'est d'appeler le 15. Ouais. Ouais. Voilà, Damien Maudet, hein, c'est ça, hein, oui. qui a fait, qui est un député France LFI. Insoumise, LFI. Hein, qui vient à l'Assemblée nationale expliquer que depuis le 21-11, donc le 21 novembre 2022, François Braun a été nommé ministre de la Santé. Et qu'il avait expliqué que dans les 6 mois qui venaient, tout serait arrangé, quoi. Hein, vous inquiétez pas, dans les 6 mois, tout va aller mieux. Et bon, c'est là, alors que là, on se rend compte que 6 mois plus tard, c'est une vraie catastrophe, puisqu'on en est à appeler le 15. Leur solution, c'est appeler le 15. Et le 15, ils n'en peuvent plus, le 15, justement. Ils sont surbookés. Et Macron a quand même dit, on est en train de réinventer quelque chose, mais c'est plus dur à faire quand tout n'a pas été détruit. Oui, ça, c'est une phrase qui est terrible. Ah, c'est magnifique, ouais. Comme phrase. Mais aujourd'hui, c'était la parution au journal officiel des soignants non vaccinés qui pouvaient être réintégrés. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui leur ont fait, je ne dirais pas d'honneur, ce qu'il y avait, en disant, non, jamais je reviendrai, j'ai fait ma vie ailleurs, j'ai trouvé du boulot ailleurs, je ne veux pas revenir dans le système. Surtout que c'est suspendu, en plus, hein, c'est pas...
Voilà. C'est-à-dire que si le Covid revenait, on remet le truc de nouveau. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ne veulent pas revenir. Oui, parce qu'ils ont été suspendus, justement. Suspendus. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas dans le droit français. Hein. Oui, bah, faut quand même le rappeler. Ah, hein. Mais il y en a beaucoup qui sont remboursés. D'ailleurs, à mon avis, l'État va perdre. Et on est le dernier pays d'Europe à ne pas avoir réintégré les soignants non vaccinés. Et il a fallu lutter vraiment pour les réintégrer. Oui. Ça a été une lutte au long cours. Quand, hein. quand on parlait de Macron, j'ai envie d'emmerder les Français. Là, ça en fait partie. Hein. Oui. Et alors, Denis, cerise sur le gâteau, tu nous parlais de notre député Brun. C'est pas le nôtre. Hein ? C'est pas le nôtre. Moi, ouais, c'est pas le tien. Mais... le député, on va dire. Ouais. Le député Fabrice Brun, oui. Alors, Fabrice Brun, le député qui a été élu ici, sur la circonscription de Bonnat, il avait fait paraître un article dans le Dauphiné comme quoi, ben, c'est un LR, hein, c'est un député de droite, hein, comme quoi il fallait alléger les cotisations sociales. Donc voilà, c'est les discours de droite. Hein. C'est toujours pareil, les impôts, ça sert à rien. Voilà, on est toujours dans la même logique. Donc là, et là, à l'Assemblée nationale, il a fait un tollé sur Aubenas, qu'il n'y avait plus d'urgence la nuit, que c'était une honte, que le bassin de, je ne sais pas combien il a dit, 100 000 habitants, bon, peut-être on compte les jambes, peut-être, pour faire 100 000. Mais bon, il a compté 100 000 habitants, comme quoi c'est une honte qu'il n'y ait pas un service d'urgence la nuit. Et il demandait ce qui est vrai. Mais il demandait que ce soit l'armée qui vienne pallier au manque de médecins la nuit. Et ce qui est bizarre, c'est que si on supprime les cotisations sociales, on supprime les hôpitaux, les écoles, tout ce qui est du social et qui fait tourner le pays. Donc il faut, M. Brun, il faut qu'il décide qu'est-ce qu'il choisit, quoi. Et qu'il arrête de faire de la com comme ça, bêtement, parce que ça ne tient pas à la route, ces discours. Ils sont contre la rentrée d'argent, mais ils sont contre la suppression. Oui, les services publics, ça demande des impôts et des cotisations sociales. Il ne faut pas... C'est pas un truc qui vient du ciel. L'argent magique, non. Et là, par contre, oui, l'argent magique, là, il n'y en a pas. Hein. Ouais. Là, ils sont raclés de chez raclés. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout. On voulait parler aussi de Saint-Brévin. Hein, Saint-Brévin, c'est quand même un événement marquant. Il y a plusieurs événements comme ça qui se sont enchaînés. Il y a eu la manifestation à Paris de l'extrême droite qui n'a pas été interdite, contrairement aux casserolades diverses et variées. Il y a les casserolades, c'est quand même... Là, on a des instruments contendants. Contendants. Hein, comme ils disent. Voilà. Et puis, il y a eu ce maire de Saint-Brévin qui... Parce que quand même, manif d'extrême droite, avec la croix celtique, oui. Et avec des saluts nazis, avec des chants, des slogans extrêmement agressifs, des gens qui sont capables de passer aux actes pas du tout de façon sympathique. Hein. C'est ce qui s'est passé à Saint-Brévin avec ce maire qui... Voilà. Quand on fait le raccourci, on arrive à Saint-Brévin. C'est ça. Donc pourquoi ? Parce que à Saint-Brévin, il y avait un projet de déplacement de CADA. Un CADA, c'est un centre d'accueil de personnes qui demandent, de réfugiés qui demandent l'accueil. Bon. Il existait déjà sur la commune, hein, et ça se passait normalement, on va dire. Personne n'avait jamais relevé de problème avec ce CADA. Et là, il y avait un projet de déménagement et d'installation près de l'école, là, tout d'un coup, il y a l'extrême droite qui s'est réveillée. Alors, dans un premier temps, c'est quelques habitants de Saint-Brévin. Mais très peu, une minorité. Voilà, vraiment une grosse minorité. Et puis, ils ont fait appel à des gens beaucoup plus... Qui n'habitaient pas la commune. Et qui sont venus vraiment faire des manifestations, des messes, pour le bien du pays, et le fait que la France reste française, etc. Et donc, le summum de cette affaire-là, c'est que un soir, les deux voitures qui étaient garées devant la maison du maire ont brûlé. Donc, le feu s'est propagé, a brûlé une partie de la maison. Mmh. Voilà. Donc, on se retrouve même à une atteinte à la vie des gens qui sont là, qui habitent là. Là, c'est vraiment. Et donc, le maire a décidé de démissionner. Ce qu'on peut comprendre. Et alors, d'un seul coup, ça fait tout un émoi, ça. Et oui, alors qu'il avait demandé l'aide de la police d'abord, qui n'a pas réagi, de la préfecture et de l'État. Il avait alerté. Hein.
Et il n'a jamais eu de réponse, et en alors, fait. Comme tu le disais, il y avait un précédent. C'est-à-dire, c'est à pas Calac. La première, c'est pas la première fois. Oui. Hein. À Calac, c'est un peu différent. Il y a aussi un CADA, mais ce n'est pas le CADA qui pose problème. C'est un projet de formation pour des réfugiés. Hein. Et l'adjointe au maire expliquait qu'il manque de bras là-bas. C'est une population qui est vieillissante. Et eux, ils voyaient ça comme une chance. L'équipe municipale voyait ça comme une chance d'avoir de la main-d'œuvre qui pouvait arriver, qu'on pourrait former et qui pourrait s'installer. Et là, c'est pareil. Hein. Il y a eu des menaces de mort, de viol, etc. Et le maire a reculé. Il a abandonné le projet. Voilà. Bon, voilà. Bon, comment on peut finir une grosse manifestation d'extrême droite? Parce que là, c'est une expression d'extrême droite. Hein Bon, voilà, à bientôt. Allez, au revoir. Bon courage. À bientôt. À bientôt.